Bonjour la Réunion, bonjour le monde, comment il est toutes autres les bien, moi les bien. Aujourd'hui, en fait, on n'est pas dans les hauts. Regardez, j'ai mes bras dehors, il fait un peu beau. On est à la Ravine des Cabris, on est chez Kevin et Andou et ils vont nous parler de citron. De toutes les variétés de citron et surtout du citron le plus majestueux, le plus rare. J'ai dit le citron caviar. Eh oui, venez avec moi les enfants. Venez, venez, venez. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder. Lindo, où es-tu? Lindo, comment il est? Comment allez? Ça va bien? Ça va bien, oui. Merci d'accueillir nous chez vous. Mais de rien, c'est un plaisir. Voilà. Et dis-moi un petit peu où ça nous l'est. Là, nous l'est sur la ligne des bambous, sur le site de la pépinière Taïlamé, sur le site de la production. D'accord. Et il paraît qu'on fait un tas de variétés de citron. Oui, ici, nous fait, on va dire, un peu tous les agrumes en général. D'accord. Mais beaucoup de variétés de citron, notamment le citron caviar, le citron galet, le 4 saisons, le lime de Tahiti et d'autres variétés encore de citron. C'est magnifique. Vous connaissez quoi? M'aimerais remonter moi tout ça, tout de suite. Mais bon, bah non. Mais bon, mais bon on fait déjà le citron caviar. Ah ben, devine. Ah, mais c'est ça, on va y chercher, non? C'est ça, on va y draper. Par kilo, en plus. Voilà les citrons caviar. Là, on a des fruits que les bons, la maturité, il y en a d'autres encore petits. Alors, on peut dire que le citron caviar, il donne toute l'année. Sérieusement? Ah, bah oui. Bah, voilà la preuve, là. C'est super sympathique, ce petit arbre. Dis-moi, on a combien de temps, ça, par exemple, un petit citron comme ça? Alors, un pied comme ça, on a environ un an et demi, là. Un an et demi? Ouais, un an et demi, voire deux ans. Mais il faut dire qu'au bout d'un an et demi, il commence à donner ses premiers fruits. Hein. D'accord. Et sur l'exploitation, on en a des plus vieux et des plus jeunes aussi, je suppose. Alors, malheureusement, les plus vieux, on n'a pas gardé. D'accord. Parce que c'était un phénomène de mode et là, tous les gens ils voulaient des pieds plus âgés. Donc, c'est parti chez des particuliers. Hein. Et c'est vrai, chez nous, après, personnellement, on a des pieds les plus anciens qui sont chez nous. Après. Un phénomène de mode. C'est vrai que le citron caviar, personne n'y connaissait. À un moment donné, l'arrivée à la Réunion, tout le monde a dit « mais il veut citron caviar ». Exactement. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just a yellow lemon tree. Est-ce que, par rapport aux autres citrons, oui. il y en a des particularités pour planter? Est-ce qu'on en a... Est-ce qu'on a un moment spécial ou alors vraiment il est facile à pousser? Est-ce que... Dis-moi un petit coup tout ça là. Alors, vous connaissez que les agrumes, il faut toujours planter en plein soleil, ne pas mettre à l'ombre. Parce que certaines personnes, des fois, ils disent allons mettre sur un pied de bois, il va pousser. Mais non. En plein soleil, voilà, il est en plein soleil ici. Plus il y a soleil, plus il y a la photosynthèse et plus il y a de fruits. Plus de fruits. Donc, les pareils, quand vous plantez, allez, plein soleil, mettez un petit peu de fumier bœuf, un petit peu de fumier, l'amendement organique. Après, il y a un petit peu de traitement. Aujourd'hui, on a plein de produits bio, savon noir, des trucs comme ça, pour cochenille, pour la fumagine, etc. Hein. Mais il n'est pas plus compliqué qu'un autre à cultiver. C'est clair. Tu as celle-là, comment les charger? À terre, là. Ah ouais. Le pied penche, c'est notre le fruit. Déjà, c'est un citron, mais il voit que lui pousse en long, il pousse ovale pratiquement. Et dis-moi, c'est quoi la particularité de ce citron-là par rapport aux autres? Alors, quand particularité de ce citron-là, quand on prend un citron 4 saisons, par exemple, ou un citron galet, quand on va couper, il y a le jus. Il n'y a pas de jus, le citron caviar, il y a des billes. D'accord. Comme le caviar, quoi. Comme le caviar. Des billes et qu'on peut agrémenter avec, dans la cuisine. Hein. Un citron comme ça, on va dire que c'est au moins pour deux personnes. Est-ce que l'une a ce goût du citron même? Alors, il est senti. Senti, il y a un coup. Ah, déjà, l'odeur, elle est... Ils y tout, hein, l'odeur, déjà. Ils sont déjà là chez eux, hein? Ils connaissent, ils sont. Le 2, ils sortent depuis de la ligne de bambou, ils ne savent pas tout dans l'île. C'est sûr. Bonjour, bonjour, monsieur. Bonjour, bonjour, madame. Il va nous coco sa peau, si ton galet avec qu'on va voir. Bonjour, bonjour, monsieur. Bonjour, bonjour, madame. Il va nous coco sa peau, si ton galet avec qu'on va voir.
Alors, dis-moi un petit coup où ça nous l'est là. Alors là, nous est dans une serre. Il n'y a que des agrumes, hein, plusieurs qualités d'agrumes. Alors là où il y en a, nous commence par le citron caviar, le citron galé. Là, on a des pamplemousses, tangor. Après, on a la mandarine et après, on a le citron 4 saisons. Alors, allons-y montrer les jeunes plants de citron caviar. Et voilà, elle est comme ça. Alors, ça, c'est les jeunes plants. Ça en a combien de temps, ça, à peu près? Alors, ça a été greffé, semi-con du port, greffe. À ce stade-là, on a environ 9 mois, là. 9 à 10 mois. Mais elle est jolie, mon âme. Et là, on voit ça, ça allait greffer. D'accord. Et après, ça ne faut pas oublier, parce que quand on y achète des plants, des fois, des plants de citron avec nous, citron galé, citron caviar, et ben, on oublie d'enlever le gourmand. Là, on voit à l'œil, là. Ouais, la greffe là. Ouais, ok. Ça, c'est une greffe à l'œil. D'accord, ok. Et tout ce qui sort en dessous, on l'aime. Ah, d'accord. Ou là, c'est vraiment que la branche qui a été greffée. Voilà. D'accord. Lui, en fin de compte, c'est un tuteur. Voilà, il appelle ça le porte-greffe. Les portes, la greffe. Alors déjà, comment on a découvert cette variété de citron-là? Parce que là, encore quelques années, personne n'était au courant de cette variété. Mais c'est à La Réunion même. Parce que figure, aussi La Réunion, on a encore plein de variétés d'agrumes qu'on ne connaît pas encore. D'accord. Parce que les vieux d'avant, mais là, comme ça, tu fais des fois, tu plantes le grain. Et quand vous plantez un grain, des fois, il y a sorti une autre affaire, un nouveau truc. Et quand on regarde dans les vieilles coups aujourd'hui, on trouve encore des trucs que nous ne connaissons pas encore. Donc le citron caviar, c'était quelqu'un l'avait à La Réunion, il y avait un pied. Et un joli venu ici, il parle à nous de ça, alors que nous ne te connaissons pas trop. Il a ramené un fruit pour nous. Il a nous vu le citron caviar, il a commencé comme ça avec des échanges. Et là, nous l'a développé le citron caviar. On passe le relais à Kevin. Comment il est, Kevin? Bonjour, ça va bien? Ça va bien? Ça va. Tranquille. Bon, on va me laisser les autres alors. Parfait, à plus tard. À l'instant. Il est bon? Allez, bye. Alors, on l'a dit comme ça, où ça monte à nous, comment ça fait à la greffe? Oui, ben, on va monter. Ben là, il tombe bien parce qu'on se moment en période de greffage. D'accord. Alors, ben, me présente à notre responsable d'exploitation, David. Enchanté, David. Comment il est? Comment? David, il travaille, il regarde pas personne. Concentré. Travail minutieux et assez dangereux, donc il faut qu'il est assez concentré. Donc alors, là, comme ça tu vois, ce qu'il est en train de faire, c'est la greffe. D'accord. David est en train de, ce que nous dit, préparer le porte-greffe. Le porte-greffe déjà, c'est quoi? Alors le porte-greffe, en fait, tu vois bien, c'est un citron sauvage. Il m'appelle la Volcameria. C'est comme on voit, il enlève tout ce qui dit épines et feuilles à une certaine distance. Alors là, David, il va faire une entaille d'entre 2 et 3 cm. D'accord. Ensuite, il va prendre son griffon de citron caviar, il va prélever un œil sur ce griffon. Après ça, il va mettre ça à l'entaille. Alors, Kevin, oui. Elle est immense cette exploitation. Ça va, il fait un hectare. Voilà, elle est quand même bien. Dis-moi combien de seuils tient sur un hectare, là, ici là. Alors, disons-nous, si on veut, nous l'a mis en place une quinzaine de serres environ. Une quinzaine de serres. Et on en a combien d'employés, boss exotes? Combien de monde boss exotes? Alors là, nous en a en ce moment 3 employés. Après, ben, nous en a ben, moi et mon frère. Que nous aussi, nous participons aux travaux. Et après, on a mon papa aussi qui donne à nous encore un petit coup de main. Supervise un petit peu tout ça. Voilà, donc là, nous rentrons dans le petit endroit aménagé pour les employés. Et pour eux aussi, ils profitent un petit peu quand même. Surtout les dimanches, mais bon. Alors, mais il voit que sur la table, on a... Là, on a différentes variétés de citron, en fait. Tout ça, là, il existe encore d'autres, mais là, on accueille certaines variétés de citron qu'on va trouver sur l'exploitation. Alors, ça, moi, maintenant, c'est la casme. Comment on y appelle ça? Ça, ici, à La Réunion, on y appelle les citrons chinois. Citrons chinois. Sinon, ben, son nom, c'est le calamondin. Calamondin, d'accord. Ouais. Là, Oléna, ben, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est un calamondin. Mais comme on voit, sa couleur, sa particularité, c'est panaché. La couleur, il est en panaché. Là, on retrouve, pareil, une autre variété de citron en panaché.
C'est le citron 4 saisons, mais en panaché. Une variété de citron galet Rodrigue. Ici, le citron normal, ça veut dire le citron 4 saisons, qu'on va retrouver la plupart du temps sur le marché. Hein. Mmh. Et au milieu, le fameux citron caviar vert. Le meilleur citron pour faire un rougail. Allez, c'est le cas de la peau. Rougail, moi, ce sera le cas de la monde. On est entièrement d'accord. D'accord. Bon, pour du jus. Le jus, on va utiliser du citron 4 saisons. Kevin, il paraît que ça prépare un petit truc pour nous. Ça montre à Zata un peu comment utiliser le citron caviar. En fait, il fait sec au moment où on met notre bouche, on dit mais il n'a pas rien. Et dès qu'on croque, toi tu t'y pètes. Comment elle a commencé à travailler C'est quoi l'histoire de ce lieu quoi? Alors l'histoire de ce lieu, déjà, on peut dire que comment on est venu l'amour pour ce métier, mais c'est un peu à cause de notre papa, là, qu'il était déjà dans le domaine, il y a déjà une trentaine d'années. D'accord. On a filé directement dans cette branche-là, moi. Depuis, il était à l'école, mais il savait qu'un jour, il voulait être pépiniériste. D'accord. Donc, on m'a suivi le parcours scolaire, on m'a fait le lycée agricole de Saint-Joseph. Et là, on a commencé à travailler à partir de 2005 dans l'entreprise, jusqu'à ce jour. Est-ce que cela commence tout de suite par les agrumes, ou alors justement, vous avez proposé donc VAG, est-ce que vous avez aussi, par exemple, des plantes de jardin, etc., ou c'était vraiment que... Alors... En 97, c'était plus sur les fruitiers créés longtemps. D'accord. Les fruits longtemps que l'été oublié. Ben écoute, mon Midiazot, merci beaucoup. Merci. On n'a pas le temps de finir ça là. Tu m'y prends un avant d'aller. Bon, on prend un avant d'aller. Pour la route. On prend un avant d'aller. Prendre pour la route. Et puis, Midiazot, bon appétit. Merci, nous retrouve. Merci, parce que ça fait pitié, je dois m'en aller quand même. Bon, allez, je pars. À la prochaine. Merci à la beaucoup. Prochaine, hein, merci. À la prochaine. Nous retrouve, messieurs, dames. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday. Et voilà, les amis, l'émission se termine. Bon, je vous avoue un petit truc, hein. Entre-temps, je suis allé quand même prendre un petit morceau de thon avec le citron caviar parce que je pouvais pas. Je suis désolé, mais je pouvais pas. Donc voilà, on était chez l'État et la Mée. On va continuer à vous emmener chez des producteurs avec des produits bien 100% local. Et bien sûr, Marmaille, au lieu d'acheter un citron, il saute je sais pas où là-bas, la voyage, je sais pas, beau sur l'avion, sur une anis, sur une nana. Hein? Autant consommer localement. On a des bons produits locaux. Il faut prendre, ne l'est pas plus, mais ne l'est pas moins non plus, enfin voyons. Bon, moi je vous dis au revoir, à la prochaine, je vais rentrer chez moi et... Vous connaissez le truc, hein, vous connaissez le petit truc. On n'est pas du tout sorti de l'auberge. Mais alors, pas du tout. Pas du tout. Mais pas du tout.